chez Soriana Behavior & More. Comme promis, vous me l'avez beaucoup demandé, aujourd'hui on va parler du baron émeraude. Voilà, et je vais vous faire un petit point sur la maintenance en général, à savoir qu'il n'y a pas une seule technique. Je vais juste vous faire part de mon retour d'expérience, puisque vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Et on va parler de toutes les petites techniques, je vais vraiment tout vous montrer. C'est parti ? Alors, déjà commençons. Il faut savoir que le varan émeraude, c'est un petit peu la star des lézards. Bon, il y en a d'autres aussi, mais il est vraiment mythique. Il est devenu mythique. Même tout le complexe en entier est devenu mythique et très prisé. À l'époque, c'est vrai qu'on en trouvait beaucoup moins, et encore, je dis à l'époque, et je suis encore très jeune, mais on en trouvait beaucoup moins facilement, il y avait beaucoup d'individus d'import, et c'était quand même une espèce qui était compliquée à maintenir, déjà parce que c'était globalement des individus d'import, avec des acclimatations difficiles, beaucoup de parasitoses, des choses comme ça. Et aussi, c'est vrai que avant, ça coûtait pas si cher que ça. Donc, on pouvait trouver des individus à partir de 400 euros, 500. Et puis, rapidement, on est monté de 500 euros à 900 euros, puis de 900 euros à 1500 et de 1500 à 2500, etc. Je sais que les Français adorent parler argent. Ici, il n'y a vraiment aucun tabou. Moi aussi, des fois, je vendrais mon bras pour en acheter un. C'est pas facile, c'est beaucoup, beaucoup de temps et d'économie pour pouvoir s'offrir des individus, des varans émeraudes, mais c'est vraiment un animal que moi, j'adore. Vraiment, c'est celui que je préfère dans le complexe. Donc, si vous avez vraiment envie d'avoir cet animal-là, il faut se donner, oui, malheureusement, aujourd'hui, les moyens financiers. Du coup, on ferme la parenthèse sur le prix, puisque ce n'est pas moi qui établis les tarifs. Mais là, aujourd'hui, on va parler vraiment du varan émeraude, de tout. Comment le maintenir? Est-ce que c'est vraiment une espèce qui est réservée à l'élite et aux personnes très expérimentées? Oui, est-ce que certains débutants peuvent accueillir un varan émeraude chez eux? On va répondre à cette question. Alors, le varan émeraude est un animal qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et aujourd'hui, on trouve vraiment beaucoup d'individus nés en captivité. Et c'est même préférable de prendre un individu qui est né en captivité. Globalement, je trouve que c'est une espèce qui est relativement simple à maintenir. La reproduction, c'est autre chose. Mais relativement simple à maintenir si on est minutieux, si on fait attention, si on observe régulièrement son animal et qu'on lui apporte juste un environnement adapté. Je ne trouve pas plus complexe qu'un autre. Par contre, il est vrai que si vous débutez avec les varans et que vous souhaitez en prendre un, mais que vous n'avez qu'un spécimen sauvage à accueillir, je vous le déconseille pour débuter. Donc là, ok, je trouve ça délicat. Sinon, hormis ça, si vous avez un juvénile qui est né en captivité, si vous vous rapprochez des bons professionnels, comme les grandes structures Reptilis, Bébésaurus, tout ça, ou nous, par exemple, qui pouvons vous offrir des coachings d'accompagnement pour prévoir l'arrivée de l'animal, acheter tout ce qu'il faut, pouvoir anticiper tout ça. Si vous allez de temps en temps faire des check-up à votre animal chez votre vétérinaire spécialisé reptile, des copros, donc analyse de sel, si vous faites attention à ce qu'il n'ait pas de garrot de mue, si vous faites attention à vérifier la température, si vous ne mettez pas des UV de fou malade qui, même pour vous, vous créeraient des cancers, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais il y a quand même certaines choses à respecter, comme chez toutes les espèces de reptiles. Après mon combat acharné avec une mouche, une seule, je reviens vers vous. On continue. Aujourd'hui, derrière moi, on a Pablo. Pablo, il y en a beaucoup qui commencent à vraiment le connaître. C'est un petit varan émeraude que j'ai accueilli quand il était tout petit. Et je l'ai vraiment habitué à ma présence tous les jours, puisque c'est des animaux, les varans en général déjà, mais eux encore plus je trouve, qui sont vraiment très intelligents et qui peuvent apprendre des choses, ils peuvent s'habituer à leurs soigneurs, voire même ils peuvent être plutôt exclusifs avec le soigneur et avoir du mal à s'ouvrir à d'autres personnes extérieures. Donc, on va voir tout ça. Donc là, on a Pablo qui est un petit adolescent dans son terrain d'adolescent. Moi, j'aime bien travailler avec plusieurs tailles de bac. Bonjour Pablo. Donc là, il est en digestion. C'est le lundi. Il mange souvent le dimanche.
Bon, là, il est en pleine croissance, donc il mange plusieurs fois par semaine. Et là, c'est le matin, déjà, il se réveille tranquille, il se chauffe pour l'instant et il digère. Mais il va nous accompagner lors de cette vidéo. Ici, vous avez deux configurations de bac, puisqu'à savoir que je n'ai pas que Pablo, mon mignon, mignon petit précieux. J'ai aussi mon petit bijou en haut, Guana, qui est une femelle varan émeraude sauvage, que j'ai eue adulte sauvage, qui elle est dans une cabine de douche reconditionnée de 1,15 m de long, sur 80 de profondeur et sur 2,15 m de haut. Elle a d'ailleurs une cale, parce que c'est prison break, donc vous n'avez jamais vu une cale aussi grande de votre vie, pour empêcher qu'elle ouvre le terrarium ou qu'elle passe entre les vitres. Et du coup, comme ça, je vous montre un petit peu le terrarium et la configuration. Et on a la configuration d'un subadulte, Pablo, qui est actuellement dans une configuration de 90 sur 60 sur 100 de haut. Et lui, j'ai choisi cette config-là, car ce terrarium-là est très facile à nettoyer. J'ai mis la décoration en fonction de ses besoins et non de la partie esthétique. Il est très possible, évidemment, de créer des terrariums bioactifs plantés ou des terrariums synthétiques. Les deux sont très bien. Il y a deux écoles pour ça. Moi, je ne suis ni pour ni contre les deux. C'est juste que, surtout quand ils grandissent comme ça, j'aime bien ne pas faire forcément de terrarium définitif. J'aime bien tout modifier, tout bouger à chaque fois. C'est la raison pour laquelle je préfère utiliser du synthétique. Et elle, quand on va déménager la cabine, puisque c'est un projet aussi, nous allons pouvoir lui créer un petit terrarium plus planté que ça. Donc voilà, voilà. Mais elle se plaît très bien. Ça fait je ne sais combien d'années qu'on l'a, du coup. Je ne sais plus, à vrai dire. Et elle se porte très très bien, surtout pour un individu sauvage. Pas du tout farming, hein. Elle venait vraiment de la nature. Nature, l'acclimatation était très difficile pour elle. Les varans émeraudes, aussi magnifiques soient-ils, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils se nomment varans émeraudes, on dirait vraiment, vraiment un bijou, un émeraude. Là, on a vraiment un spécimen qui est vraiment magnifique. On dirait presque un rezingeri au niveau de la tête, qui est une autre sous-espèce. Et on a vraiment les typiques ocelles bleues sur le dos. Elle est verte le reste, sur le reste du corps, avec la tête un peu jaune. Là, on voit qu'elle elle mue. Hein. Souvent, les varans émeraudes muent par plaques à divers endroits et au final, un petit peu tout le temps. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention au niveau des doigts, qui sont très fins, là, et au niveau du bout de la queue. N'aie pas peur, ma biche. Voilà. Faut toujours faire attention que les anneaux soient bien enlevés. Ça, c'est une grosse problématique des varans en général, même des lézards en général. N'aie pas peur. Donc voilà. Donc pour avoir un varan émeraude, il faut savoir qu'au niveau de la réglementation, ils sont tous en annexe 2B. Donc, qui veut dire annexe 2B veut dire donc qu'ils sont protégés, mais que vous pouvez quand même en avoir en captivité. Mais ils sont soumis à réglementation, donc il faut évidemment toujours avoir la preuve d'achat de votre animal, un bon de cession, une facture, un bon de cession ou une facture, ou les deux, une attestation de marquage par photo quand ils sont jeunes, et les faire pucer dans la patte arrière gauche quand ils sont subadultes ou adultes. Guana, elle, est pucée dans la patte arrière gauche. Pablo, pour l'instant, est trop petit, mais il va bientôt être pucé dans la patte arrière gauche. En attendant, c'est une identification par photographie. Donc voilà, toujours avoir la preuve de son animal, de l'origine licite hein, de vos animaux. Chez le varan émeraude, il existe plusieurs localités. Donc, celle qu'on retrouve le plus souvent, c'est la localité Sorong. Bien sûr, il y a des passionnés chevronnés qui font vraiment très attention aux localités, qu'elles soient bien pures, non mélangées. Malheureusement, parfois, même sans le vouloir, on n'arrive pas à distinguer correctement les localités différentes. Ça peut arriver hein, qu'on ait des spécimens qui soient issus de deux localités. Et on s'en rend compte après ou en parlant avec des experts passionnés.
Donc voilà, mais globalement il existe les sorongs qui ont plutôt des V comme ça sur le corps. Il y a les Jayapura qui eux, moi j'adore les Jayapura, qui sont très très verts avec très peu de marquage noir. Il y a les Meroki qui eux ont plutôt des ocelles rondes sur le dos. Donc il y a vraiment différentes robes. Mais globalement, évidemment, c'est la même maintenance. Vous noterez que Pablo est plutôt tiré sur le émeraude bleuté. Et Guana, elle, est plutôt, plutôt verte, voire jaune. Je fais mon focus. Pourquoi? Alors, il y a encore quelques mystères que les experts éleveurs de ce groupe d'animaux essayent de comprendre. Il peut y avoir, en fait, plusieurs facteurs qui rendent votre varan un petit peu bleu comme ça. Alors, souvent, j'ai remarqué que les animaux qui sont nés en captivité sont toujours un petit peu moins colorés que les animaux qui sont sauvages, qui ont eu une alimentation beaucoup plus variée avec des alimentations vraiment voilà, typiques dans la nature, où ils mangent vraiment beaucoup plus variés qu'ici. Et donc ça peut avoir une influence évidemment sur la robe de l'animal et la couleur. Après, les proies carnées type rosée de souris, bien qu'ils soient très intéressants à donner de temps en temps, peuvent rendre votre animal un petit peu plus bleu. Et après, il y a aussi donc le choix des UV, des choses comme ça. Donc là, j'ai exactement la même configuration de chauffage et d'UV pour l'un et pour l'autre. Guana, ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Et elle ne devient pas bleue, mais bon, elle vient de la nature. Et Pablo a toujours eu une tendance à être un petit peu bleuté. Ça y est, Pablo est motivé, il a voulu sortir, il a un petit peu plus digéré, il a vraiment pris la chaleur puisqu'il a bien mangé hier. Donc là, il a fait sa selle, la chaleur lui a permis de digérer rapidement et là, donc, il commence à se réveiller et à chercher, à découvrir la pièce, être avec nous. Donc c'est bien, comme ça vous voyez un petit peu comment se comporte un varan émeraude en dehors du bac, qui est déjà habitué à sortir. Et c'est un vrai plaisir. Vous voulez avoir ça, vous aussi? Donc, un animal qui est vraiment calme en tout temps, qui rentre chez lui quand il a envie. Je vais tout vous expliquer. Évidemment, avant d'accueillir votre premier varan émeraude, si vous êtes débutant, ou si en tout cas c'est une espèce que vous connaissez par cœur dans la théorie, et enfin vous allez sauter le pas, évidemment, il faut se préparer avant l'arrivée de l'animal. Il faut que ça soit un achat vraiment réfléchi, ça reste un être vivant, ça reste un animal qui a des besoins quand même importants en termes de taille de bac, en termes de bien-être aussi, hein, d'enrichissement, tout ça c'est des animaux qui aiment chasser, qui aiment être stimulés, qui aiment tout découvrir comme on le voit là avec Pablo. Donc c'est vraiment un animal qui n'est pas à prendre à la légère et qui est selon moi aussi intelligent qu'un perroquet. Il cherche sans arrêt à aller découvrir des nouvelles choses comme là, maintenant. C'est bien, tu me donnes des beaux exemples. Et du coup, c'est des animaux, voilà, il faut avoir le budget. Déjà, rien que l'achat de l'animal, mais il n'y a pas que ça. Il faut vraiment investir dans les bons UV, le bon chauffage, la taille de bac adéquat, même des bacs de transition. Personnellement, quand Pablo était tout petit, je ne me voyais pas du tout le mettre dans un terrarium de 2 mètres de haut. Je refuse ça, tout simplement parce que pour l'observer, c'est déjà beaucoup plus compliqué. C'est des animaux qui peuvent aussi stresser très, très, très vite. Donc, si vous lui apportez un espace immense avec la déco, vous ne le voyez jamais. Comment vous pouvez observer ses selles? S'il n'a pas de diarrhée, s'il n'est pas constipé, s'il n'a pas un garrot de mue, comment vous pouvez observer tout ça? Et souvent, j'ai remarqué qu'ils étaient quand même globalement plus stressés. Après, tout dépend de l'individu. Ils ont des personnalités qui sont propres à chaque spécimen. Chaque spécimen est différent. Donc, pour moi, c'est important de vraiment faire une transition et d'abord avoir un bébé. Quand je dis un bébé, c'est un spécimen qui est tout petit, mini, qui a presque juste un mois ou deux, qui est né récemment. Donc, je ne me vois pas
et je ne vous le recommande pas forcément de le mettre dans un terrarium XXL ou juste rien que l'espace des vitres coulissantes, il peut sortir, hein, il peut se faufiler largement entre les vitres puisque c'est un animal qui est très filiforme, qui peut vraiment s'aplatir, qui est très fin hein, de base. Et donc du coup, bah, il faut aussi avoir le budget pour investir dans plusieurs configurations de terrarium ou être un très bon bricoleur et faire des compartiments avec une vue opaque hein, puisqu'ils ne peuvent pas percevoir tout ce qui est transparent, le verre, choses comme ça. Donc vraiment une des parois opaques, histoire qu'ils se sentent vraiment un petit peu plus restreints en dimension. Et après, pouvoir justement travailler avec lui sur la partie acclimatation, faire en sorte qu'il mange très bien. Tout surveiller pour enfin ensuite le lâcher soit dans un terrarium intermédiaire comme il a là, soit après du terrarium juvénile à définitif, mais moi personnellement je préfère utiliser 3 tailles de bac. Si c'est vraiment un tout petit juvénile aussi grand que sa queue, qui a 2 mois, je vous recommanderais plutôt des terrariums style 60 par 45 par 60, les Exoterra par exemple ou d'autres marques de terrarium se valent bien. En termes de matière, je ne suis pas du tout fermée aux différentes matières. Derrière moi, c'est les fameux terrariums AirTech que je trouve très bien. Enfin, la config arboricole me plaît bien. Après, ça peut être en verre. Le verre, c'est très bien au départ. Le bois, le problème, c'est que ça vieillit mal. Et comme c'est un animal qu'on a besoin de pulvériser, c'est toujours... Ça peut mal vieillir, en plus c'est lourd. Après, il y a aussi des nouvelles techniques qui ressemblent un petit peu à des volières où les bacs sont très très aérés, avec du grillage, souvent fait maison. Donc, vive les bricoleurs. Surtout que bah, les bacs genre de 2,15 m de haut, vous n'en trouvez absolument pas déjà tout fait dans le commerce. Quoi. C'est que du sur-mesure. Il y a des très bonnes entreprises qui en font. Ou alors après, bah, voilà, l'option cabine de douche ou l'option on remonte les manches et on bricole. Donc voilà. Mais après, là-dessus, je ne peux pas donner mon avis dans le sens où moi, j'aime le verre. Moi, j'aime les terrariums AirTech. J'ai jamais fait avec du bois sur des aussi grandes tailles. J'aime pas trop le grillage parce que je trouve qu'ils peuvent facilement se faire des abrasions au museau, tout ça, parce que c'est vraiment un animal qui est très tonique. On l'a vu tout à l'heure avec Gwenna. Et quand ils se mettent à vraiment paniquer, courir, ça peut arriver même avec un individu comme Pablo qui est habitué à un petit coup de stress, un bruit qui lui a pas plu... quelque chose de l'extérieur, ou même vous qui avez une gestuelle un petit peu plus rapide, ça peut arriver aussi. Et ben, ça peut, voilà, eux, ils vont courir dans le sens opposé, ils peuvent vraiment se faire des abrasions rostrales. Hein. J'ai vu beaucoup de spécimens, même avec du verre, hein, se faire des abrasions. Donc, faites attention à ça. Vous pouvez limiter la casse et les blessures en mettant des parois de liège, des plaques de liège, des choses comme ça, à condition qu'ils n'aillent pas se réfugier derrière sans jamais plus sortir. Parce que quand ils sont vraiment très stressés au départ, surtout pendant l'acclimatation, quand ils trouvent une cachette où ils se sentent vraiment, vraiment bien, et souvent c'est totalement inaccessible à la main de l'homme, et bien ils ne ressortent plus. Donc c'est pour ça que là, Pablo, pour sa configuration d'adolescent, je n'ai préféré pas lui mettre de plaques, parce que lui, je l'ai habitué vraiment tout petit, il n'est pas du tout du genre à aller s'exploser le nez dans le terrarium, et je lui en mettrai après quand il sera adulte. Et moi, et en plus, il a une totale liberté dans la pièce quand je suis là, donc il s'éclate vraiment partout. Donc nous, on l'enrichit comme ça, en lui faisant découvrir vraiment la pièce, quoi. Donc vous voyez, il est très très à l'aise, il vient me voir, il fait des allers-retours, tout ça. Il cherche à aller aux endroits où il n'a pas le droit d'aller, puisque forcément, sinon c'est absolument pas drôle. Donc voilà pour les bases. Donc du coup, bien réfléchir à ça, à votre budget. Déjà, si l'animal coûte 2000 euros, si votre terrarium en coûte 1000, ben après il faut le matériel. Je donne des prix comme ça, hein. Je n'ai pas tous les prix du marché en tête. Hein. Et après, bah, il faut aussi pouvoir remplacer les UV une fois par an en moyenne selon le type d'UV que vous prenez. Donc, je recommande souvent soit la marque Reptile System ou la marque Arcadia. C'est des très très bons UV. Souvent, on prend les néons type T5. Maintenant, et en plus, ils font vraiment des trucs super. Avant, on avait les vieux embouts avec le vieux ballast. Une fois sur deux, on pétait le néon parce qu'il était tout fin et que c'était galère à emboîter. Maintenant, ils font des galeries toutes complètes, toutes autosuffisantes. Avec le réflecteur intégré, tout ça, il y a juste à poser le néon dedans, à tourner, c'est bon, c'est vissé, quoi. Et excusez-moi. Et du coup, bah, ces néons-là, il faut bien voilà, déjà les acheter. Souvent, qui dit néon UV de qualité, dit voilà, un prix forcément en conséquence de la qualité. Je ne vous recommande pas d'utiliser des UV de très mauvaise qualité. Après, bah, voilà, si vous avez un bac planté, il y a le prix des plantes, le fait de créer un terrarium
bioactif ou autosuffisant avec de la microfaune, des plantes qui coûtent souvent très cher, le substrat, tout ça, l'aménagement. Il y a aussi les spots chauffants, et les spots chauffants, c'est pas éternel non plus. Et il y a aussi les soins vétérinaires, les insectes, la nourriture des insectes. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être réfléchi. Et en plus de ça, j'attire votre attention sur le fait que quand on prend un animal, peu importe ce que c'est, même autre qu'un reptile, j'insiste, ils ont parfois besoin de soins vétérinaires. Et c'est même bien de leur faire des check-up, voilà, vérifier son état de santé, s'il n'est pas trop gros, s'il mange bien, s'il n'est pas déshydraté, s'il n'a pas de garrot de nu, s'il n'a pas de parasites. Si tout se passe bien, mais ça c'est bien de le faire une à deux fois par an, même s'il est en bonne santé. Donc ça c'est des frais à prévoir aussi. Donc vraiment, c'est un achat qui doit être réfléchi. C'est un animal qui va vivre entre 10 et 15 ans. Donc vraiment, ça doit être un achat qui est réfléchi. Mais comme n'importe quel animal, je vous tiendrai le même discours avec un gecko-léopard. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, c'est les varans émeraudes. N'est-ce pas, Pablo? Les varans émeraudes, c'est aussi très curieux. Ça va partout, de chez partout. Je ne force rien. Et voilà, ça c'est la vie, le quotidien avec un varan émeraude. Donc, qui est habitué à sortir, hein, Guanane ne fait pas ça. C'est que c'est curieux et ça va vraiment partout. T'es bien là? Tout va bien? Vous pouvez aller l'aimer? Bon, on est bon. Ok, bon. Donc, un varan émeraude, voilà, ça peut être exclusif comme ça avec son soigneur. Une fois qu'il a votre confiance, voilà, il se permet même peut-être un peu trop. Donc. Ça, c'est le quotidien avec des varans émeraudes qui sont un minimum habitués à l'homme. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir une relation avec votre varan. Moi, je trouve ça quand même intéressant sur le plan bien-être, puisque ça va limiter le stress. Qui dit moins de stress, moins de développement de pathologies. Et qui dit aussi pouvoir faire des soins. Pouvoir l'emmener en clinique sans que ça soit la guerre, sans que justement il s'éclate le nez dans une paroi et que du coup ça crée une blessure que vous devez soigner. Donc qui dit soigner dit contrainte, dit manipulation forcée, dit stress, etc. Puis on ne s'en sort plus au final. Donc quand c'est sans stress comme ça, voilà. Et après on peut faire des soins, on peut enlever des petits morceaux nus qui sont difficiles à faire partir, surtout quand ils ont des queues très très fines, comme les pointes de queue, des choses comme ça. On peut aussi vérifier l'état de santé, enfin voilà. Il n'y a pas besoin de se battre. Eh, tu sors? Parlons maintenant de la configuration de votre bac, peu importe le stade de croissance de votre animal quand vous l'achetez. Ça va globalement être toujours les mêmes besoins, que ce soit un juvénile ou un adulte. Même si les juvéniles peuvent avoir une perte hydrique donc, et être potentiellement plus déshydratés que les adultes, c'est quand même une espèce qui peut se déshydrater facilement et aussi qui est sujette aux brûlures. Hein. Et attention aux fortes doses et émissions d'UV. Mais du coup, ce que je vais vous expliquer comme base est valable autant pour un terrarium de juvénile qu'un terrarium transition subadulte ou un terrarium définitif. Qu'est-ce qu'il faut pour accueillir un varan émeraude? Tu reviens? Ça revient, mais bon, choisis, tu sors ou tu rentres. On dirait un chat, tu sais, la même chose, tu vois, tu fermes la porte et là il veut sortir, tu ouvres la porte et il veut plus sortir et puis après tu le fais sortir, il veut rentrer, c'est pareil. Donc Pablo, de quoi t'as besoin? Explique. Tu nous dis un petit peu ce que tu veux? Des crayons, tout le temps. Non, il n'y a pas que ça, Pablo. Alors, il y a deux façons de faire, évidemment. Donc, je vous ai parlé des terrariums de transition. Et maintenant, donc, qu'est-ce qu'il faut pour accueillir son varan émeraude? Donc, il y a deux façons de faire, les terrariums synthétiques et les terrariums plantés. Les deux sont très bien, il n'y a aucun problème. Moi, je choisis plutôt le synthétique parce que comme c'est des varans qui peuvent aussi connaître l'ennui et avoir besoin d'être stimulé. La stimulation, ça passe aussi par le changement de décor ou des nouveaux aménagements. Donc de temps en temps, on peut venir rajouter un élément de décoration ou tout bouger ou alors voilà tout changer, ajouter. Enfin voilà. Et ça, on peut ajouter aussi des choses, un élément de décoration en plus avec un terrarium qui est déjà planté. Mais c'est vrai que quand on veut tout changer, c'est plus difficile avec un terrarium autosuffisant, bioactif, qu'il faut préparer bien en amont pour que toute la microfaune soit en place, tout ça. Donc, si vous voulez un terrarium synthétique, surtout pour les périodes d'acclimatation ou les terrariums qui ne sont pas encore définitifs, vous pouvez utiliser soit de l'éclat de coco en guise de substrat, soit du copeau de pin, de l'humus de coco ou de la terre.
type tourbe, des choses comme ça. Donc, il n'y a aucun problème. Moi, j'utilise ici plutôt de l'éclat de coco. Il faut savoir qu'ils sont super intelligents en deux. Hein, donc, même s'ils chassent, qu'ils mettent son nez dedans, je n'ai jamais vu une ingestion. Ça peut toujours arriver. À chaque fois, je le répète, pour n'importe quelle espèce, il n'existe pas un substrat 100% anti-occlusion intestinale. J'ai déjà vu des occlusions intestinales avec des animaux qui se bourraient de terre, hein, d'humus. Et ça faisait quand même un bouchon. Donc, moi, personnellement, quand il attrape un éclat de coco avec un grillon, il se frotte pour le relâcher. Ou alors, malheureusement, il lâche son grillon et puis, avec sa patte, il enlève, hein, parce qu'ils utilisent leur patte avant, il enlève l'éclat de coco et après, il retourne chasser. Et après, moi, je fais attention aussi de nourrir pas mal en pot, tout ça. Et attention aussi aux grillons qui restent dans les bacs trop longtemps. Les grillons se nourrissent de tout. C'est-à-dire les selles de l'animal. Donc déjà, ça, c'est pas terrible, terrible. Les fonds Exoterra, totalement affreux. Enfin, c'est joli visuellement, mais affreux. C'est du polystyrène, quoi. Donc déjà, niveau hygiène, pas top. Et en plus, les grillons, ils le mangent. Donc, bah, pas top. Et en plus de ça, bah, le grillon, s'il a la dalle, vraiment la dalle, il est plutôt nocturne. Et la nuit, il peut aller grignoter un petit bout de votre baron. Donc, j'ai déjà vu ça et c'est horrible. Donc, faites attention à ne jamais laisser trop de grillons traîner. Donc déjà, on élimine le problème de l'occlusion comme ça. Et on surveille pendant les repas. Et souvent, c'est des très très bons mangeurs. Le plus important, une fois qu'on a choisi son terrarium, Exoterra, peu importe, ou autre, ben, il va falloir l'éclairage et le chauffage. Je déconseille les ampoules 3 en 1, surtout pour les juvéniles, tout ça. Ou alors, il faut vraiment que l'espace soit vraiment, vraiment énorme. Genre énorme, genre au point de pouvoir rentrer dans le bac avec l'animal pour pouvoir lui offrir un spot 3 en 1 et aussi un endroit où il y a un spot qui n'émet pas d'UV et des UV sans émission de chaleur. Puisqu'ils savent se thermoréguler, mais aussi ils UV régulent. Et le problème, c'est que si on apporte une ampoule 3 en 1 qui fait les deux, il ne pourra pas aller choisir s'il prend les UV ou le chauffage. Et quand même, on s'est aperçu avec les années que les ampoules 3 en 1 pouvaient créer des déshydratations, des brûlures et des problèmes de reins. Donc, faites vraiment attention. Donc, nous, ici, on est vraiment repassé à l'ancienne. Surtout que Paco, mon ancien baron émeraude, que vous avez aussi dû connaître, avec qui j'avais une vraie relation de confiance. Au début, bah, quand je l'ai eu, tout le monde conseillait les ampoules 3 en 1. Et du coup, j'avais mis ça. Sur sa 11e année, il a eu des gros, gros problèmes de reins. Donc, et je pense que ça vient de là aussi. Donc nous, ici, on a totalement banni les ampoules 3 en 1 dans les bacs où on ne peut pas rentrer avec les animaux. Et on a décidé d'investir dans un néon type T5 et un spot chauffant type halogène, c'est très bien. Ou alors les spots à filaments, comme vous voulez. Le tout, c'est juste de pas qu'il ne fasse pas trop chaud, que l'animal puisse se chauffer sans se brûler. Et pareil pour les UV, qu'il soit à une distance respectée et que l'intensité des UV soit également respectée. Moi, j'ai choisi du Arcadia, donc les ballasts, hein, tout intégré. D'ailleurs, on peut en relier jusqu'à 6 hein, en série. Même les Jungle Down, la version LED, on peut les relier avec les UV. Mais maintenant, même Reptile System ont des outils similaires. C'est vraiment une très bonne marque, hein, Reptile System également. Et moi, j'aime bien plutôt mettre des UV à l'extérieur. J'ai un UV-mètre, donc j'ai réussi à faire des tests. Alors c'est pareil, un UV-mètre, franchement, c'est génial d'en avoir un chez soi. Vraiment trop bien. Par contre, c'est vrai que ça a un certain coût. Donc, mais si vous avez les moyens, n'hésitez pas à investir dans un UV-mètre. Et c'est vrai qu'au début, bah, je pensais réellement que les grilles vraiment bloquaient les UV, quoi. Mais pas tant que ça. Donc du coup, bah, j'ai préféré mettre mon néon à l'extérieur. Et je prends des néons en moyenne de zone 2 ou 6%. Donc voilà. Et la guana, elle, à l'intérieur, elle a son néon qui est à l'intérieur puisqu'on n'a pas un couvercle grillagé. Mais par contre, voilà, moi, j'ai testé les UV. Pareil, hein, je mets du 6%. Hein. Vraiment, je ne vais pas au-delà. Ils sont tous reliés à un programmateur digital. Donc, on respecte 10 à 12 heures d'éclairage journalier à heure fixe. Donc, voilà. Et après, en termes de spot chauffant, donc c'est des animaux qui aiment bien avoir un gradient thermique avec une zone froide au plus frais à 20 degrés, entre 20 et 22 degrés pour la zone la plus fraîche. Ça peut aller jusqu'à 25 degrés. Et la zone chaude, donc toute la partie où il y aura votre spot chauffant. Alors ça, c'est un petit peu le basico-basique de tous les reptiles diurnes. Hein. On met jamais le spot chauffant en plein milieu du bac. Hein. On fait en sorte qu'il puisse y avoir un gradient thermique. Donc, et toute la zone où il y aura votre spot chauffant s'appelle la zone chaude.
Et elle, elle peut aller donc de 25 degrés à 31, 32. Et le point chaud, donc c'est vraiment l'ocelle de lumière au plus haut, là où il va aller recharger ses batteries et aussi ça va lui permettre de digérer tout ça. Ça doit être entre 35 et 36 degrés. Évitez de dépasser les 35 et 36 degrés parce que ça va créer des brûlures, des déshydratations, des problèmes aussi de croissance, de choses comme ça. Parce que plus il fait chaud, plus l'animal peut grandir vite, mais aussi développer des carences. Donc vraiment, faites attention à ça. Et on adapte sa puissance en fonction aussi de la température de la pièce. Évidemment, on ne va pas prendre un spot chauffant de 100 watts si dans votre pièce fait déjà 24. Donc on adapte, on fait des tests. On prend sa température avec un thermomètre infrarouge, avec les thermomètres digitaux. Vraiment, c'est important. Et faites vos relevés de température le plus souvent possible. Parce que des fois, il y a des variations. Donc voilà, il a un petit gradient thermique. Et la nuit, la température peut descendre à 22 degrés. Même 20 degrés, c'est pas trop grave. Il n'y a pas de souci. Aparté, j'ai oublié pendant mon pitch de vous parler pour les spots chauffants. Vous allez peut-être être choqués, mais je n'ai pas de protection de lampe dans mes terrariums pour mes spots chauffants. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai remarqué, et par expérience, hein, parce que ça fait quand même plusieurs années que je soigne des reptiles, que ce soit à Reptiling ou chez moi à titre personnel, et j'ai remarqué qu'en mettant des grilles de protection, en fait, ça crée plus de problèmes qu'autre chose en fait. Ça veut dire qu'on souhaite protéger l'animal du spot chauffant, d'éviter les brûlures, tout ça, mais au final c'est juste tout l'inverse qu'on crée. Soit l'animal arrive à se faufiler dans la grille, il n'arrive plus à sortir ou il panique, et le temps qu'il sorte, il peut se brûler, il peut même décéder. J'ai déjà vu ça avec même d'autres espèces de lézards diurnes arboricoles, ou alors ils vont passer leur journée accrochés sur la grille du spot chauffant qui est souvent en fer, qui du coup est très très chaude, et se faire des brûlures ventrales ou se faire des brûlures tout court. Donc c'est pour ça qu'ici je ne mets pas de protection pour les lampes chauffantes, et ils sont bien assez intelligents pour ne pas aller mettre les patounes dessus. Nous ici on aime bien aussi apporter des retraites humides, des boîtes humides. En fait on n'aime pas les environnements qui sont supra saturés en humidité, parce que ça va créer des problèmes de peau, des mycoses, des choses comme ça, voire des problèmes respiratoires. Ça reste rare, mais il peut y avoir des variants qui peuvent développer des pneumonies. Hein. Ça peut arriver. Donc nous, on préfère mettre des boîtes avec de la sphaigne dedans humide, ou des noix de coco suspendues, ou des mi-boîtes avec de la sphaigne humide. Et si vraiment il se sent... il a besoin de chercher l'humidité, il va aller dans cette boîte-là. Ce qui fait que, quand même, je pulvérise hein, une à deux fois par jour. En moyenne, je fais une fois par jour tout le terrarium. Et après, c'est plus pour le faire boire qu'autre chose. Mais il a quand même sa petite boîte humide s'il a envie de se mettre au frais. En termes de branchage, il faut vraiment respecter, plutôt exploiter tout le terrarium, hein, parce qu'ils peuvent dormir au sol, ils peuvent dormir en hauteur, ils peuvent grimper, ils peuvent marcher au sol, ils sont vraiment un peu tout terrain. Ils ne sont pas trop aquatiques, mais ils sont quand même tout terrain. Ils vont partout, ils exploitent la totalité du bac. Donc n'hésitez pas à utiliser des plaques de liège, à condition qu'ils n'aillent pas se cacher derrière, pour les parois de votre bac, à utiliser des écorces de liège pour qu'ils puissent bronzer à l'horizontale comme nous à la plage sur notre serviette, ils adorent, mais aussi des zones à la verticale pour qu'ils puissent vraiment se poser dessus, et puis aller partout quoi. Donc des lianes naturelles, là on a une liane naturelle, on a aussi du pied de vigne, donc c'est toutes les branches que vous pouvez utiliser, bien désinfectées avant, ou acheter ça dans les commerces où elles sont déjà désinfectées, comme chez Reptilis Shop, ils ont une incroyable sélection de troncs en liège, tout ça, je crois que je vais aller les dévaliser dans pas longtemps, et surtout ils ont des tailles de ouf pour des grands bacs, et ça c'est rare, donc n'hésitez pas. Et une fois que vous avez respecté tout ça, voilà, il faut évidemment une ou plusieurs gamelles d'eau. Hein. Plus il y a de gamelles d'eau, plus il y a de chances qu'ils boivent, mieux c'est. L'eau, c'est la vie. N'est-ce pas Pablo? Il est parti dans la pocket. Il dort là toutes les nuits, hein, dans la pocket. Donc ça, je vous explique après. Ici, j'ai ajouté, donc il y a une noix de coco suspendue, mais il y a aussi notre fameuse reptile pocket. D'ailleurs, c'était le prototype numéro 2. C'est collector que j'ai. Et donc dedans, en fait, c'est une poche de transport et de désensibilisation. Il a vraiment pris l'habitude, mais quand je vous dis qu'il a pris l'habitude, c'est qu'il est même accro à sa poche. Ce qui est bien, c'est que quand j'ai besoin de l'emmener en clinique vétérinaire,
Bah, comme elle est déjà en place dans le bac, en fait, j'ai juste à fermer la pochette en faisant attention. Hein. Et du coup, je le transporte comme ça. Il a aucun stress et aucune contention. Et il ne se sent pas agressé. Et donc, il fait souvent des allers-retours la journée dans la pochette. Et la nuit, clairement, il dort toutes les nuits dedans, sans exception. Des fois, je lui enlève pour qu'il aille dormir ailleurs. Et je lui remets pour le restimuler. Donc, c'est vraiment un produit. Hein. Si vous voulez investir là-dedans, n'hésitez pas. On les fait sur mesure et maison. Dedans, il y a un petit plaid pour absorber s'il y a des selles en plus, bien que ce sont des animaux qui sont très propres. Ils n'iront jamais déféquer là où ils vont dormir, donc dans leur nid. Donc moi, il n'a jamais déféqué dedans. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez la nettoyer à volonté. Donc niveau prophylaxie, c'est génial. Transport, c'est top. Pas d'abrasion rostrale, rien, tout va bien. Donc nous, on a validé la pochette ici et je la mets dans son bac. Comme ça, il l'a à dispo tout le temps. Gwana se réveille. Bonjour Gwana. Donc elle a une brumisation automatique, elle a son petit néon UV dans le bac, tout ça. Pareil, hein, elle a un point chaud à 35-36 degrés. Et puis bon, elle vient se chauffer la journée. Elle a sa gamelle d'eau en hauteur, elle, parce que bon, il y a quand même 2 mètres de haut. Donc voilà, elle a des feuillages, des branchages. Comme elle est plutôt timide, j'essaye de... Donc il y a quand même, vous voyez, il y a quand même pas mal de décorations. Il y a de la plaque de liège bien fixée, il y a du cordage. Elle ne se pointe jamais les griffes dedans, nos paniques. Mais je limite quand même un peu les cachettes où je ne peux jamais la récupérer pour justement la pousser à ce qu'elle me voit régulièrement et aussi pouvoir checker son état de santé régulièrement. Donc vous voyez, hein, y a un petit peu de tout, de la liane, tout ça, de la branche qui va jusqu'en bas. Elle peut grimper partout. Elle a un fond qui était déjà en place quand j'ai acheté cet terrarium-là d'occasion. C'est vrai que ça lui permet de se limer les griffes plus facilement. Sinon, on peut aussi tailler les griffes. Mais les pierres, ça peut être bien hein, si elles sont bien fixées pour qu'ils puissent se limer les griffes. Attention toujours aux abrasions rostrales. Et on a une petite cloche là. Alors, c'est vraiment, vraiment en période d'hiver. Et encore, elle n'en a pas tant besoin que ça. C'est si vraiment il fait froid. Sachant que nous, ici, dans la pièce, on a une climatisation réversible. Donc, l'hiver, ça chauffe à bonne température toute la pièce. Et l'été, ça la refroidit à bonne température. Donc, madame a toujours la bonne température la nuit. Mais c'est au cas où un petit spot de nuit. Elle a une petite plateforme là, elle a une plateforme là, elle a une plateforme partout. Donc il faut vraiment tout exploiter. Mettre du feuillage, des branchages naturels ou synthétiques, comme vous voulez. Mais bon, si vous faites un terrarium planté, faites attention à tout ce qui est billes d'argile, tout ce qui est sphérique. Je ne sais pas pourquoi, je suis vraiment très, 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 très attirée par tout ce qui est sphérique et j'ai déjà vu des ingestions de billes d'argile ou de galérons pour le plus grand bonheur de Pablo. Nous allons passer à la partie nourrissage. Mais qu'est-ce que ça mange un varan émeraude? Est-ce que tu manges des fruits? Peut-être. La partie nourrissage, c'est mon sujet préféré après l'enrichissement. On va en parler rapidement après, mais honnêtement, je pense que je vais vous faire un épisode que sur l'enrichissement parce qu'il y a vraiment trop de choses à dire. À savoir vraiment que je ne promotionne pas forcément les enrichissements à tout va pour les varans. Si vous voulez juste l'enrichir dans son terrarium avec de la nourriture, vous pouvez. Si vous voulez lui apprendre des choses, lui faire faire du target training, donc suivre une cible pour pouvoir le mettre dans un bac sans contention, si vous voulez le stimuler avec des balles, des choses comme ça, vous pouvez, mais je n'oblige personne. C'est des techniques que moi j'utilise, que j'adore utiliser, mais vous faites comme vous voulez. Juste une chose, ce sont des animaux très intelligents qui peuvent connaître l'ennui. Donc du coup, peu importe comment vous y prenez, mais il faut les stimuler avec des décorations différentes, comme j'ai dit tout à l'heure, ou alors justement des jeux de réflexion, des jeux de recherche, toujours avec de la nourriture, puisque oui, ce sont des animaux qui sont très gourmands et qui mangent quoi? Ils mangent souvent 90% d'insectes, voire 95% d'insectes. Honnêtement, là c'est la théorie les gars. Je vais pas être là à leur dire, alors je t'ai donné combien? À 50% cette semaine, faut que je donne encore des insectes. Faites preuve de discernement, d'observation également. Donc voilà, on peut donner un petit peu de tout. C'est sûr que ça mange globalement beaucoup d'insectes et ça a aussi besoin d'un petit peu de proie carnée entière. Donc par exemple des petits rongeurs décongelés, même des œufs, des choses comme ça. Hein. Les varans sont très connus pour les œufs. Si vous êtes fan de Bernard et Bianca au pays des kangourous, il y a quand même Johanna qui est genre fan des œufs. Bah, c'est un peu ça les varans. Hein. Et pourtant c'est un dessin animé, mais c'était visionnaire.
Et du coup, bah ouais, ça mange des œufs, ça peut manger aussi du cœur de bœuf, des choses comme ça. La seule chose, c'est que c'est vrai que tout ce qui est protéines pures comme ça, ça peut facilement créer de l'embonpoint. Donc faites quand même attention, mais c'est vraiment important d'en donner de temps en temps et de ne pas donner que des insectes. Les insectes, qu'est-ce qu'on peut donner? Bah, on va pouvoir donner tout ce qui est grillons, hein, déjà. Hein. Vous avez les grillons domestiques, Aketa. Vous avez les grillons assimilis, c'est un petit peu les grillons qui sont pas noirs, mais voilà, un peu marron, un petit peu plus gros. Les grillons noirs, les fameux bimaculata, qui font beaucoup de bruit et qui sentent fort, mais qui sont très gros. Après, vous avez aussi les criquets, hein, souvent, vraiment les grosses sauterelles qui sautent loin, tout ça. Faites attention à bien retirer les pattes arrière, parce que c'est rare, mais ça peut arriver que ça blesse l'œsophage des animaux. Ça peut créer aussi le décès, hein. J'ai déjà observé ça. Donc, par sécurité, ça coûte rien. Vous pouvez enlever les pattes arrière des criquets, donc les locusta. Ça, ouais, ils adorent ça, surtout quand on fait voler les criquets, puisqu'ils ont des ailes pour planer. Vous pouvez aussi donner tout ce qui est blattes, hein. Il y a plein d'espèces de blattes qu'on peut donner à manger. Tout ce qui est vert, par exemple les bombix, les vers à soie, les choses comme ça. Moi j'évite de leur donner les vers de farine et les morios parce que je trouve que c'est des insectes qui sont pas franchement intéressants sur le plan nutritif. Et en plus de ça, ils ont beaucoup de carapace qu'on appelle la chitine, qui n'est pas digeste du tout. Et souvent, voilà, ils le digèrent pas bien, ça sert à rien. Donc voilà. Donc moi perso, j'en donne pas ici du tout. Mais j'aime bien varier, voilà, je donne plusieurs espèces différentes de blattes, les criquets, les grillons, je tourne comme ça, de temps en temps, bah voilà, j'ai des petits vers à soie, ça c'est très bien, c'est un peu riche en eau, tout ça. Donc n'hésitez pas à tourner avec tout ça, et moi après, bah, je donne du rongeur décongelé, souvent c'est du rosé de souris, ça peut aller jusqu'à la sauteuse de 11 grammes, hein, parce que ça mange très gros, hein, les varans. Le poisson, attention, parce que bon, déjà, quand même, c'est une espèce qu'on retrouve plutôt dans les arbres. Donc, il y en a qui peuvent consommer du poisson, mais attention, c'est quand même pas forcément le top du top. Moi, personnellement, j'en donne pas ici, pas du tout, sur les varans émeraudes. Vous pouvez donner des morceaux de cuisses de grenouille aussi, ça, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Donc, les œufs, hein, vous pouvez les donner crus. Vous pouvez aussi les cuire en œuf dur, les donner avec la coquille ou broyer la coquille, hein, quand ils sont adultes. Vous pouvez les donner en omelette aussi, un petit peu en œuf brouillé. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. Il y avait aussi un Repashi qui avait la formule meat pie ou grub pie qui était incroyable qu'on trouve plus. C'est affreux. Mais bon, il y avait tout ça et il y a encore d'autres choses. Mais le plus important, c'est de donner des insectes qui sont variés, qui sont riches, qui ont été nourris avant. Donc nourrissez bien vos insectes. Allez voir l'épisode sur comment s'occuper et enrichir nos insectes nourriciers que j'ai fait pour vous également, pour vous aider. Et en termes de fréquence, comment ça se passe, combien on en donne, c'est quoi le... comment je sais s'il est gros, bon, comment on fait, est-ce qu'il y a une règle? Oui, il y a une règle. Donc déjà, c'est des animaux, comme beaucoup d'animaux, qui peuvent être sujets à l'embonpoint. À la base, un varan émeraude, c'est fin. Donc c'est vrai que même un varan émeraude qui est obèse, souvent quand on n'a pas l'œil, on n'est pas habitué, ben on ne se rend pas compte qu'il est obèse. Sauf les experts ou les gens qui ont l'habitude de travailler avec. Et donc, c'est vrai que souvent, je vois, hein, des individus qui sont franchement potelés. Donc, ça va créer plusieurs problèmes. Hein. Ça va déjà ternir la couleur. Hein. Ça peut ternir la couleur. J'ai déjà vu, par exemple, chez Varanus risingeri, qui sont censés être jaunes et noirs, et qui étaient tellement, tellement gras, ils ne mangeaient que des rongeurs, ils étaient beiges. Beiges. C'était plus jaune. Donc ça joue sur la couleur, ça joue forcément sur l'espérance de vie. Hein. Ça va réduire l'espérance de vie parce que bah voilà, il va avoir le foie super gras. Ça peut créer des problèmes de reins. Ça peut aussi créer, hein, des problèmes cardiaques, des choses comme ça. Hein. Donc, c'est vraiment mauvais. Et donc du coup, faites attention à ça. Après, quand ils sont bébés, c'est important de les nourrir tous les jours. Après, quand ils sont subadultes, ils ont une poussée de croissance où c'est pareil. Il va falloir quand même y aller un petit peu en quantité de nourriture. Mais surtout, éviter de les nourrir tous les jours jusqu'à satiété. Sinon, vraiment, vous allez avoir des boudins. Parce que bah, franchement, quand on a un individu qui a passé le cap de l'acclimatation, franchement, c'est un varan qui est super gourmand. Surtout sur les œufs, hein, il ne s'arrête plus. Hein. Donc, faites attention à ça. Moi, ce que je fais, c'est que là, par exemple, ma femelle adulte, elle va manger une à deux fois par semaine. Et je fais, par exemple, une semaine où je fais que de l'insecte et une semaine où je vais faire un peu d'insecte et un autre jour, un petit peu de proie carnée en faisant toujours attention, quoi.
Donc, bah, par exemple, si je lui donne des petits rosés de souris, sur un repas, je vais lui en donner, parce que les rosés de souris, voilà, c'est tout petit, hein, c'est 1, 2 grammes, elle est adulte hein, quand même. Je vais lui en donner 4-5. Je vais pas lui en donner 15. Si c'est des grillons, bon, bah, les grillons, c'est maintenant assez petit pour elle. Bah, je vais lui en donner une vingtaine. Si je donne des criquets adultes, c'est assez gros pour elle, je vais en donner 4, 5, voire 6 par repas. Mais elle ne va pas manger tous les jours. Elle va manger une à deux fois par semaine. Voilà. Pablo, quand il était bébé, je lui donnais... c'était surtout les grillons. Les criquets sont difficiles à trouver au stade juvénile, petite taille. Donc, du coup, je donnais beaucoup de grillons et de petites blattes. Et je donnais 3-4 grillons par jour. Et puis souvent, quand ils sont petits, vraiment petits, ils ont du mal à chasser, ils sont un petit peu timides. Alors, ils attrapent leur proie tout doucement, ils attendent d'y plomber. Après, ils disent, alors, je ne sais pas comment l'écraser. Enfin, voilà, ils apprennent vraiment à manger. Et maintenant, là, ils mangent tous les 2-3 jours, soit une dizaine de grillons, soit 4-5 blattes. Voilà, je tourne comme ça. Et pareil, une fois toutes les 2 semaines, je lui donne... 1, 2 ou 3 rosées de souris maximum, ou un quart d'œuf de poule, ou un petit bout de jaune. Enfin, il faut vraiment que ça soit respecté et qu'après, ils ne soient pas pendant une semaine en train de regretter d'avoir trop mangé comme nous après Noël. Comment distribuer la nourriture? Il y a vraiment plein de façons de faire avec eux. Donc au début, bah, quand ils sont en période d'acclimatation et qu'ils ont du mal à accepter votre présence et à vous faire confiance, vous pouvez soit positionner des pots suspendus comme ça, et vous mettez les blattes, les choses comme ça, ils vont aller se servir. Soit bah, vous lâchez les insectes, mais bon, encore une fois, faites très attention à ce que les insectes ne stagnent pas dans le bac. Les dubias, par exemple, les blattes, la journée, elles se cachent littéralement dans le substrat, donc parfois, elles ne les voient pas. Et après, les criquets, attention, c'est végétarien. Donc, si vous avez des bacs plantés, c'est un petit peu compliqué. Vous allez pleurer pour vos plantes. Donc, bon, au début, voilà, les pots, c'est pas mal. Après, bah, vous allez au fur et à mesure commencer à nourrir à la pince. Je vous déconseille de nourrir un adulte à la main. Alors, il y en a qui le font, mais avec des grosses proies, vous pouvez. Hein. Mais par contre, si ça vous mord, ça fait mal. C'est douloureux. C'est douloureux. Ils ont des dents qui sont quand même assez acérées. Quand ils sont vraiment tout bébés, ils sont tellement doux quand ils attrapent le grillon. Vous pouvez le donner à la main. Moi, je l'ai déjà fait. Oui, t'as vu qu'il y avait la pince, tout ça. Mais quand ils sont adultes comme ça, voilà, vraiment prenez plutôt une pince de nourrissage. Et puis, bah, prenez aussi au début une pince de nourrissage quand ils ne sont pas trop habitués à votre présence. Et après, au fur et à mesure, on les fait venir sur nous, tout ça. Et là, on peut créer de la confiance. Du coup, on va enfin passer au nourrissage. Donc là, j'ai préparé, donc je suis allée chercher dans mon bac d'insectes des grillons qui sont très vigoureux parce qu'ils mangent vraiment super bien, quoi, ici. C'est des rois, quoi. Ils ont même mangé du melon il n'y a pas longtemps. Enfin, je leur fais un mix. Donc, ils sont vraiment hyper, hyper actifs. Dedans, j'ai mis du calcium pur sans vitamine puisqu'ils fixent leurs propres vitamines grâce aux UV et tout ça. Donc, il n'y a pas besoin d'en ajouter. J'ai déjà vu des varans mourir d'hypervitaminose. Donc, du coup, je ne mets pas de vitamines. Personnellement, juste, je joue avec la nourriture variée et riche en vitamines. Donc là, on va aller nourrir Pablo. Donc Pablo se nourrit au pot, à la main, à la pince, enfin. Il n'est pas franchement difficile. Du coup, je vais aller nourrir Pablo. Pablo ! Viens ! Viens ! Ouais ! Viens ! Viens ! Yeah ! Allez, yeah ! C'est bien. Voilà. Bon, lui, il est habitué à manger à la pince, à la main, enfin, il n'y a rien qui le gêne. Hein. Donc là, bah, il va aller manger. Donc, il va aller manger où ? On rentre. Maybe. Comme tu veux. Tu retournes dans ton bac. Alors, il mange très souvent sur moi, mais pourtant, j'essaye de le rentrer dans le bac. Mais comme il est habitué à sortir, rentrer, sortir, il mange souvent. Là, il mange. On le voit pas, mais là, il est en train de manger sur mes fesses. Viens. Viens. Viens te montrer, là. Tiens, tu te vois. Allez. Allez, et c'est ça le problème d'être tout seul à filmer et tout faire en même temps, c'est un peu délire. Viens. Viens. Viens, maman. Alors, des fois, ils mettent du temps à choisir aussi. Ou des fois, ils en prennent 5 en même temps, en sachant pertinemment que les 5 ne rentrent pas en même temps dans la gueule, mais ils sont tellement affamés. Un varan qui est en pleine santé, franchement, c'est super agréable à nourrir. Voilà. J'ai souvent
souvent ouais, le t-shirt taché de calcium. Le calcium, je le distribue un repas sur deux sur les croix. Voilà. Essayez de vous montrer un peu plus près. Voilà. Donc il se balade, c'est super. Donc je vais essayer de le nourrir à la main sans qu'il. Voilà, ça va, il l'a pris doucement. Donc ça, je ne le recommande pas quand les spécimens commencent à être gros, hein, parce que s'il se loupe et qu'il vous attrape le doigt, ça fait assez mal. Et surtout quand ils sont en frénésie alimentaire, souvent quand ils attrapent une proie, ils ont du mal à lâcher. Donc ce qui fait que bah, ils ne vous lâchent pas. Donc faites attention à ça. Pareil, si vous distribuez des rongeurs à la pince ou si vous le faites venir sur vous avec un rongeur, sachez que du coup, ils ont un odorat qui est très développé. Et du coup, votre main va forcément sentir le rongeur et derrière, il peut vous mordre. Hein. Donc faites attention. Hein. Toujours la sécurité aussi hein, de l'animal et la vôtre. Donc voilà. Là, il mange, il se fait plaisir. Je le fais chasser aussi, hein, parce que c'est des animaux qui adorent chasser. Hein. Vraiment, c'est un passe-temps, hein, en plus d'être quelque chose de positif. Donc là, normalement, il devrait essayer de l'écraser, de le diriger ou pas, selon la taille des proies. Mais ça arrive très souvent, hein, qu'il... Comme il gobe, plus qu'il mâchouille, hein, il ne mâche pas vraiment, il gobe les proies en entier. Du coup, bah, souvent, ils assomment leurs proies et en même temps, ils les dirigent dans le gosier pour que ça rentre en une seule fois. Surtout quand ils s'y prennent mal et qu'ils les attrapent de côté. Donc c'est pour ça qu'on les voit souvent frotter les proies. Et après, on voit qu'il fait des mouvements avec son cou pour amener la proie à l'œsophage. Donc la guider. Un petit peu comme un serpent, hein, au final. Donc voilà, il cherche à manger. Il est conditionné à la pince aussi, hein, vous voyez. Très très réactif en parents. Vous imaginez s'il avait peur et qu'il se met à courir partout, ça peut être une vraie course. Hein. Donc faites toujours attention aussi à garder vos fenêtres fermées quand vous intervenez avec vos parents, histoire qu'il n'y en ait pas un dans la nature. On évite, s'il vous plaît. Comme n'importe quel lézard diurne, on évite de les nourrir trop tôt le matin quand le système digestif est au ralenti et trop tard le soir quand ils vont aller se coucher et que les lampes vont s'éteindre. Ça risque de créer des petits problèmes de digestion. Donc on essaye de les nourrir plutôt en début de journée. Hein. Souvent les varans sont actifs en début de journée et vont se coucher assez tôt. Et donc après chaque repas, je fais boire comme ça. Ils adorent boire juste après manger. Du coup, ça vous permet de le voir boire. Vous pouvez même le faire toutes les 5 minutes, une fois qu'ils ont mangé. Ils boivent souvent plusieurs fois. Et après, bah, une fois qu'il a bu, vous voyez, par contre, quand je le pulvérise dans une optique de boisson, je suis très délicate. Parce qu'il déteste se faire arroser partout et à fond, enfin voilà, avoir de l'eau dans les yeux. Ils se nettoient aussi, hein, c'est des animaux qui sont très propres. Ils ne défèquent jamais à l'endroit où ils vont dormir. Ils s'essuient la gueule, et voilà. Après, il se nettoie aussi en même temps. Vous voyez, il a bu une deuxième fois. Donc au début, j'y vais tout doucement. Et après, une fois que je me suis vraiment assurée qu'il a fini de boire, souvent, je reste 5-10 minutes après le repas pour essayer de le faire boire plusieurs fois. Moi, Pablo arrive à boire en moyenne entre 3 et 8 fois par jour. En plus d'aller boire en gamelle d'eau, etc. Donc voilà. Et en plus d'avoir une pulvérisation automatique. Pour ce qui est des enrichissements, vraiment, je vais vous faire un épisode complet là-dessus très bientôt. Mais vous pouvez les enrichir voilà, en déplaçant des objets, en dissimulant de la nourriture dans le substrat, des choses comme ça, en mettant des tubes transparents avec un insecte dedans ou un rongeur pour les pousser à aller chercher l'insecte, réfléchir et utiliser leurs pattes avant, parce qu'ils sont capables d'utiliser leurs pattes avant pour prendre des insectes. Pas aussi bien qu'un primate, c'est sûr, mais ils le font très très bien. Ou dissimuler de la nourriture dans des balles, dans des tubes, des choses comme ça. Voilà, il y a plein de choses à faire à l'intérieur du bac sans forcément devoir le sortir, et après vous pouvez également le sortir. Par exemple, normalement, sa balle, il la connaît très très bien. Excusez-moi, je vais essayer de rapprocher. Normalement, sa balle, il la connaît très très bien. Là, j'ai rien dedans, hein, mais il va forcément chercher à aller la sniffer. Voilà. Voilà, à aller chercher des choses. Parce qu'il est habitué à sa balle. Hein. Il perçoit très bien les couleurs, les formes, les odeurs. Bon, là, il a vu qu'il n'y avait rien dedans. Et puis, de toute façon, il est déjà blindé. On va également nourrir Guana. Alors, Guana, bah, faut savoir que déjà, c'est un spécimen que j'ai eu adulte sauvage. Donc, qui dit sauvage, dit plus stressé de nature. Et en plus, souvent,
C'est une généralité, hein. Des fois il y a des exceptions. Mais souvent les femelles varans sont plus craintives et moins téméraires que les mâles. Donc elle, c'est une femelle adulte, sauvage, enfin voilà. L'acclimatation a été très longue. Maintenant, déjà, elle mange nickel à la pince, au pot, tout ça, elle se laisse approcher sans problème. La sortie, c'est encore un petit peu compliqué. On y travaille. Elle aura besoin, par exemple, de peut-être basculer dans un terrarium un peu plus petit. Depuis qu'elle est dans celui-ci, elle a fait une petite régression que j'ai analysée. Donc du coup, on va travailler autrement avec elle. Mais elle mange très bien, voilà, à la pince. Elle adore les criquets, elle adore les blattes aussi. On l'aime tout en fait, hein. C'est une très bonne mangeuse. On a très très bien acclimaté. Gwena, viens ma fille. Viens ma fille. Allez, viens. Viens voir. Viens. Je sais pas si vous voyez. Yeah. C'est bien. C'est bien. Bien. Elle aime bien les enrichissements quand on n'est pas là, quoi. Donc on l'observe avec une caméra quand on fait des enrichissements. On travaille comme ça avec elle. Et puis dès que j'ai du temps et qu'elle est bien ambiancée aussi, hein, parce qu'il y a des jours avec, des jours sans, bah, on travaille avec. Oui, du vent dessous. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de comment vit un varan émeraude. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube, à aller consulter notre site soriana.com, à aller sur nos réseaux sociaux, surtout le Instagram que j'alimente beaucoup parce que j'aime cette plateforme. Le Instagram Varanici Soriana Behavior est mort. Le Facebook officiel Soriana Behavior & More, vous pouvez même y déposer des recommandations et des avis. N'hésitez pas aussi à nous téléphoner, il y a mon numéro de téléphone qui est disponible partout. Vous pouvez le trouver, nous contacter par email, sur nos réseaux. Vous n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un coaching, d'un accompagnement, si vous voulez craquer sur un varan émeraude mais que vous avez peur et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas vraiment. Si vous voulez mettre en place des enrichissements, si vous avez des problématiques, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Et nous, avec Pablo Iguana, on vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir visionné la vidéo. Salut. Ah, ça marche. Hey, hello et bienvenue chez Soriana Behavior & More. Vous me l'avez demandé. Non, il faut que je me concentre là. Attends, test. C'est là. Parce que je regarde, si je regarde en face, je vous regarde. Il faut que je me concentre là. Désolée si pendant ma vidéo il y a des mouches, mais c'est l'été. On est à la campagne et j'ai des insectes. Donc du coup, elles sont chiantes. Donc navrées. Ah, où on en était? Parce que entre les mouches, tout ça, c'est un petit peu galère. Je pense que toi ne viens pas.